Nous avons eu l'idée d'un fil conducteur qui puisse fédérer les différentes activités du centre social dans l'année et qui permette à la fois des passerelles entre les groupes et donne un sens commun à leur réalisation. En septembre, à l'occasion de la réunion de rentrée avec tous les acteurs du centre, le thème de ce fil conducteur a été tiré au sort par une main innocente, Renée, fidèle adhérente. C'est le thème « L'arbre dans tous ses états » qui est sorti. Ce thème a été très bien accueilli par l'ensemble des participants et responsables des groupes. Nous avons été très étonnés de la facilité avec laquelle certaines activités se sont saisies à leur façon de ce thème. Cela va du dessin, de la calligraphie, du qigong, de la photo, des loisirs créatifs, etc. Nous allons certainement avoir de magnifiques surprises. Nous avançons au fur et à mesure sans rien imposer, simplement pour accompagner le mouvement et au final trouver ensemble le moyen de restituer les travaux des groupes le jour de la fête des abeilles. Un appel aux habitants est aussi lancé. Le centre est ouvert à toute forme de représentation artistique de l'arbre dans tous ses états. Notre quartier abrite certainement beaucoup d'artistes. Le 17 juin prochain, jour de la fête, un nouveau thème sera tiré au sort pour l'année 2023-2024 pour de nouvelles réalisations. À bientôt !